Mais quand vous l'avez redéplacée, bah, elle a glissé, elle s'est ouverte, et toi, votre ami nain, C'est tombé. t'es passé à travers. Ah, super! C'est pas grave. Ouais, En fait, c'est solide. Attends. J'ai pas entendu ce qu'a dit Brand, du coup. Je disais, c'est pas grave, la plate, c'est solide. Oui. Ouais. Donc du coup, je passe un cri de Willem. Ah! Tu me feras un jet d'un dé de 6, et c'est ça les points de dégâts que tu prendras. Et les autres, je suppose que vous vous dépêchez de Ça va. sauter, de passer à De la l'intérieur. laine. Oui, il y a une échelle ou pas? Oui, il y a une échelle. Ah. Donc t'es tombé, tu t'es pris des points de dégâts. Et là, quand tu arrives en bas, il n'y a rien autour de toi à part deux lanternes, au-dessus et en dessous de toi. Je suis en plein milieu de la plaque là. Tu vois aussi que ici, il y a une énorme porte en bois. Et là, une fois que tout le monde est descendu, vous savez qu'à tout moment, les ghouls vous rattraperont. Donc il va falloir décider de ce que vous allez faire. Je suppose J'avoue qu'il y a un relever le nain, passage. peut-être. Oh, frappe à la porte. Je suppose qu'il y a un passage secret, un truc comme ça. Si ça dit qu'il y avait une lanterne ici et là, moi je propose qu'il y en a un de nous deux, enfin un de chaque qui va essayer de tirer la lanterne ou je sais pas quoi, pardon. Truc débile, mais voilà, ça Qui peut. croit à Fort Boyard? Bah peut-être, qui sait. Mais il a peut-être raison, hein. Moi je vais sur celle-là. D'accord, tu feras ça, ok. Ensuite. Moi, je vais aller inspecter la porte, justement. D'accord. Allez, allez, je vais aller voir la deuxième torche. Je vais faire un truc très utile, je vais regarder l'échelle et je vais faire waouh, sacrée chute, Non, tu te relèves, toi. Ok. Ça va, c'est. Alors. Malora. Je sais ce que tu pourrais dire, tu pourrais dire la terre est basse, tu sais. Sur les lanternes, pouvez me faire un test de perception tous les trois. Toi à la porte et les deux personnes aux lanternes. Oh, trop bien. Alors toi, Wilbur, pour toi, tu vois que la J'ai torche, une enfin lanterne. que la lanterne est très belle. Hein. Qu'est-ce que J'aimerais t'as bien la réussi à prendre. lancer depuis le début, Oh, ça moi? fait de la lumière. Voilà. Non, non, j'ai. Brand, toi, tu vois qu'il n'y a aucun mécanisme particulier sur la lanterne. Et toi, Glacial, tu poses tes mains dans la porte pour voir un peu, pour comprendre ce que c'est. Et en posant juste un peu tes mains dessus, tu es en train de l'entrouvrir. Ah. Et là, tu as ouvert la porte, en fait. Wilbur. Et ben voilà. C'était si simple. Alors, ce que tu pourrais dire là, c'est mais qu'est-ce que tu fous là? On rentre? Le. On va s'embêter avec des torches, hein. Mais. Par contre, question conne, est-ce que quelqu'un peut en prendre une sur le mur? J'ai toujours le sort de lumière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Petite suggestion, Zach Torian. Peut-être tu pourrais éviter d'être juste en dessous de là où les goules vont tomber. Oui, non, mais c'était juste que c'était le tour d'avant. J'étais tombé, je me relevais, quoi. J'étais. Ah, mes reins. Le point strat vient de finir, donc les monstres vont bientôt arriver. Ok, Si vous voulez faire quelque chose, décidez maintenant. on avance, on avance. Avance. Bon, on On avance. marche vite, et on marche vite, on marche vite, on marche Alors, vite. au moment Je où me vous mets. arrivez à l'intersection, donc vous passez la porte qui donne un accès à un pont en pierre dont une partie est manquante, cadré par deux immenses statues qui diffusent une faible lumière. Les grognements se font entendre et on distingue une porte de l'autre côté du pont en pierre. Et à droite, c'est effondré, on peut pas y aller. J'imagine. Exactement. Voilà. Donc, bon, bah. J'imagine Moi, qu'on ce va que je essayer. propose, c'est de fermer un peu la porte. On peut fermer la Oh, mais porte? d'accord. Oh la vache, oui! Oui, ce serait pas con. Dans les grognements que vous avez entendus, il commence à y avoir des monstres qui sont en train de tomber, donc ils vont prendre un tour pour se relever. Hein. Moi, je dis à Oui, bah, 4. On y va à justement. 4, on essaie de fermer la porte. Tous les Ouais. 4. Encore, ouais, non, mais là c'est une porte, il a réussi à la pousser avec une main, donc je pense que les monstres poussaient aussi et elle va s'ouvrir.
Je suis pas sûr que ce soit. Pas sûr que ce soit... C'est dommage qu'elle se soit ouverte dans ce sens-là. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Elle s'est peut-être ouverte parce qu'elle a senti que j'étais quelqu'un de bien. Ah. Et ben si je la touche comme ça, elle se refermera parce que je suis quelqu'un de mal, moi, hein, c'est ça. La dissension dans le groupe, ça comment? Moi, j'ai juste touché la porte, hein. Je l'ai pas. Non, mais allez, avancez parce que là, il y a. Bon, ok, on avance. Très bien, on avance. On peut pas fermer la porte? Je sais pas. Et maintenant? Bah, je vais. On a peut-être des pouvoirs magiques, mais on peut pas se téléporter. Hein. Je vais essayer de sauter en face. Si vous sautez, vous me faites un test d'agilité. Oula. Moi, je vais juste me téléporter, moi, ça m'ira. Oh, c'est le saut de la foi. Agilité, tu m'as dit. Hein. Ouais. Donc là, c'était donc toi, Ken, 65 pour 65. Tu passes à travers le pont sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a une sorte de petit bruit de portail, vous entendez. Et en fait, ce qu'il se passe, toi, en fait, Wilbur, pendant que tu es en train de courir et tu sautes, t'entends le bruit du portail, tu le vois arriver de l'autre côté et tu loupes ton saut. Tu arrives à t'accrocher de l'autre côté avec un peu de chance, mais tu te fais mal en te réceptionnant et tu me feras un D3 de dégâts. Bah, moi aussi, je vais essayer du coup de sauter de l'autre côté. Vas-y. Passe de l'autre côté sans problème, t'as eu juste un peu après le rebord. Ok. Moi je profite de la pierre la plus au bout pour vraiment me propulser maximum. Alors là j'y crois pas pour moi. Bah c'est bon moi. T'arrives en courant tel un nain gracieux, tu sautes et t'atterris sans aucun problème, sans trébucher ni rien de l'autre côté. Même me permet de faire un petit 360 dans les airs avant de l'atterrir. Bon, pas quand même, mais voilà. Donc là, les monstres arrivent et commencent à courir vers vous. De plus en plus qui passent la porte. Et il y en a certains qui commencent, en arrivant sur le pont, à tomber. Ils tombent directement. Vous les voyez plus. Voilà. Donc là, on va faire entre guillemets un sorte de tour par tour pour décider de ce que vous allez faire ici. Et ensuite, moi, à chaque fois que vous me dites ce que vous voulez faire ou si vous me posez une question, ensuite, dès que tout le monde a posé sa question ou fait son action, moi, je fais déplacer les monstres pour qu'ils s'approchent de vous. Ou voir s'il y en a certains qui arrivent à passer. D'accord? L'ordre du coup c'est qui le premier? Vous pouvez choisir là, il n'y a pas de... Décrivez les actions que vous voulez faire, on va garder l'ordre qu'on avait établi jusqu'à maintenant. Wilbur, que veux-tu faire? Est-ce que les statues m'évoquent quelque chose ou pas du tout? Tu vois que c'est des statues naines tout simplement. Mais il n'y a pas de signification particulière, c'est juste généralement des statues qui éclairent dans les endroits sombres, quoi. Après les ponts. Bah, je vais me diriger vers la qui est ici. Et l'ouvrir, enfin, si c'est possible. Alors, ok. Ensuite, les autres aussi, dites-moi vos actions pour savoir. Moi, je me mets vers le milieu du pont et j'attends les premiers qu'ils arrivent à passer. Je suis prêt à leur mettre des coups. Mais là, vraiment offensif, quoi. C'est vraiment y ratterrir sur le con, je les balaye un coup de marteau. Pour le but plus de les faire tomber que de leur faire des dégâts, quoi. D'accord. Moi, je vais aller aussi le rejoindre au niveau de la porte, aller l'inspecter aussi. Ok. Et toi, Brand, tu auras une action particulière ou... Non, écoute, j'aimerais bien inspecter les statues. C'est quoi qui fait de la lumière? C'est les lanternes. C'est juste les lanternes. Ah oui, ok. D'accord. Donc les trois là, vous allez me faire un jet de perception. Alors au niveau des deux qui étaient en haut, vous arrivez à pousser la porte sans trop de difficulté. Et
Pour vous, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. C'est vraiment comme la porte d'avant. Elle n'a pas eu de résistance particulière. Et au fond, d'ailleurs, au fond, tu vois une plaque. Là, c'est Wilbur qui est plus dans l'alignement. Donc toi, Wilbur, dans l'alignement, tu vois qu'il y a une plaque au fond avec quelque chose d'écrit dessus, mais tu es trop loin pour comprendre ce qu'il y a. Et ici, il y a une autre porte. Tu transmets l'info sans problème à Glacia, il est à côté de toi. Tu fais, il y a une plaque au fond, il y a quelque chose écrit, mais je vois pas ce que c'est. Puis il y a une porte. Voilà, tu transmets. Toi ici, Brand, avec ton succès qui est quand même correct, tu remarques qu'il y a l'air d'y avoir une sorte d'anomalie au niveau de la statue, mais tu sais pas si tu y touches. C'est-à-dire, tu sais pas si en y touchant ça va t'aider ou au contraire te mettre en posture désavantageuse, simplement. Bah écoute, il n'y a qu'en le faisant qu'on va savoir, hein? Touche au levier Exactement. un peu caché qui était. C'est un levier. Oh, je m'attends au pire. Et le pont va se replier, je vais être dessus. Ah, il y a un truc qui s'ouvre. Ouais. Mmh. Oh. Ah. Ah. Alors, là, pendant vos actions, des monstres arrivent. Il y en a qui passent encore à travers. Et là, il y en a un qui arrive à passer à le pont. C'est ce que je avais appelé éventuellement des coureurs. Donc, c'est ceux qui courent très vite. Donc, avec la vélocité, il a réussi justement à passer au-dessus du pont. Et il va tenter de t'assonner un coup. Et toi, tu me mettras ensuite le coup en retour. Celui-là qui fera le meilleur jet de précision, c'est lui qui t'apprend en premier. Donc si tu le tapes en premier avec ton jet, tu le fais tomber, il ne te touche pas. Mais par contre, s'il tape en premier, il te touche et quand tu vas le taper, tu ne le feras pas tomber. D'accord? D'accord. Il faut un jet de précision. Donc une attaque d'arme basique, quoi. Un coup de Ok. masse, quoi. Allez, on y croit. Ah, il m'a mis un critique. Alors, La vache. il arrive à une vitesse quand même très élevée. Il te saute dessus, tu es pris de court. Il te frappe dans ton bouclier ou dans ton arme. On va dire plutôt qu'il te frappe. Il essaye de te frapper, mais en fait, il tombe sur toi et il tombe sur ta masse. Il va prendre le coup de la masse que tu allais lui porter. Mais en contrepartie, avec l'élan qu'il y a eu, il tombe sur toi après coup et tu tombes 2-3 mètres derrière. Donc tu es tombé à terre. Ah Et lui, merde. par contre, a pris le coup de masse dans la gueule. D'ailleurs, il t'a encore infligé 0. Donc dans ta fiche personnage, tu vas regarder dans l'armure actuelle et tu vas mettre un moins 1. Donc tu vas passer à 13 d'armure au lieu de 14. Ok, donc là, tu as perdu un point d'armure. Ton armure s'est fait endommager avec le coup que tu as pris dans la gueule. Ensuite, les autres continuent à avancer, mais pour le moment, ça va être à vous. Du coup, il est pas neutralisé celui qui est sur le pont Non, avec il est aussi tombé. Hein. Il est tombé sur toi. Toi, tu as tombé 2-3 mètres derrière et lui, il est au rebord du pont. Là, c'est à D'accord. Wilbur de jouer. Bah si je vois ça, j'essaye est-ce que je peux charger? D'être un peu. Ah, je crois que c'est 6 mètres minimum, on peut considérer que tu les as là. Bah, 6 mètres 2, donc c'est bon. Bah je le charge. Ok, et vu qu'il est à terre, t'as plus 10% de chance de toucher. Tu lui cours dessus. Tu sautes. Et tu lui plantes tes deux dagues juste au-dessus du dos. Au début de l'entrée de la gorge, et tu le D'accord. tues sur le coup. Tu vois qu'il ne bouge plus. Donc, Xatorion, je considère que tu te relèves, mais que tu peux pas te déplacer.
Et je remercie Wilbur quand même. Voilà. C'est pas être sauvé par un elfe. c'est remerciement d'un. Hein. Ouais. Pour rendre de... Tu peux annoncer si tu veux faire quelque chose. Moi j'irais bien voir dans les escaliers, enfin dans l'escalier en colimaçon. D'accord, je vais te déplacer vers l'escalier et de commencer à rentrer dedans quoi. D'accord, ensuite Glacial. Et moi bah, je vais aller au fond du couloir ici là et aller voir la plaque. D'accord. Alors je sais pas si je peux y aller jusqu'au fond. Oui, bah ça fait normalement ça fait 7 mètres, je vais vérifier, mais c'était ici. Tu peux aller jusqu'à là, à peu près la moitié. Mais après, tu seras à 1 mètre, tu pourras commencer à lire éventuellement ce qui est écrit dessus. Ok. Ok, donc là, vu que là tout le monde a fait son tour, normalement c'est au monstre. Tout ce que tu peux voir, c'est glacial, c'est ceci. Tu vois qu'il y a une sorte de tablette en forme de bouclier de pierre qui est sur le fond. Et ouais. C'est dans une écriture que tu ne sais pas lire, c'est une écriture naine. D'accord. C'est pour ça que j'arrive à la lire en fait. Non mais t'es pas censé la voir. Non. Je sais. Ça je dis rien. Et là, par contre, en rentrant à l'intérieur et t'es tout seul, tu tombes à travers, en fait, la structure s'est ouverte, le plafond est tombé, et tu tombes à travers. Tu me feras un test d'agilité après, tu peux le préparer maintenant et on verra après ce que tu gagnes. D'accord. Bon, nous on a entendu quand même que tout s'est cassé la gueule l'autre côté. Oui. Glacial, qu'est-ce qui t'arrive? Donc Wilbur et Zartorion, vous voyez que les monstres continuent à avancer, mais vu qu'il n'y a pas de coureurs dans le groupe, dès qu'ils arrivent au pont, ils sont en train de tous tomber à l'intérieur, mais rien ne vous dit qu'il n'y aura pas d'autres coureurs ensuite, quoi. Ok. Donc, vous voulez faire on quoi va se retourner. Je vais me retourner, puis je vais me diriger vers... J'ai jeté un petit coup d'œil rapide autour. Je sais pas si je vais voir quelque chose. Étant donné que t'es nain, donc. Je sais pas si j'ai la vision dans la nuit. Ouais, c'est pas jusqu'à 4 mètres, donc ici environ. D'ailleurs, la tablette, là, quand tu vas t'approcher ici pour voir, tu vois que la tablette est aussi tombée au fond. Et là, tu peux apercevoir rapidement Glacial tout en bas. Il est tombé d'une 7-8 mètres, en fait, tout simplement. J'espère qu'il va bien. Bon. Il est à l'étage inférieur. Donc là, je considère qu'apparemment, vous descendez à l'étage inférieur. Donc... Ah, la plaque est tombée avec moi, ok. Tu m'as fait ton jet d'agilité? Non, je vais le faire. Oh. Tu te prends 3 points de dégâts suite à la chute. Glacial, tu te retrouves dans une salle sombre avec les parois qui sont en pierre un peu glissantes. Il te sera impossible de remonter. Des ossements jonchent le sol autour de toi. Et la plaque en forme de bouclier est au pied. Quoi. Là, pour le moment, tu ne sais pas ce qui se passe. Et t'entends des bruits venant dans cette direction. Est-ce que je peux récupérer la plaque, la porter? Tu peux essayer, mais tu comprends très vite qu'elle est lourde. Ouais. Du coup, je vais m'avancer, je vais me mettre dans le coin ici, là. D'accord. Et je vais attendre de voir si c'est mes coéquipiers ou si c'est des ghouls. Ok. Donc, à vous de jouer pour les autres. Vous voulez faire quoi? Oh bah moi, je vais descendre les escaliers prudemment. Là, en arrivant ici, toi, Brand, tu comprends qu'en fait cet endroit est une des deux entrées par laquelle vous pouviez venir. Soit en tombant dans le trou qui est en face de toi, parce que tu le remarques tout de suite, ici qu'il y a un trou, et que
est frais, de la terre fraîche, donc tu comprends, il y a encore un peu de poussière dans la zone, donc tu comprends qu'il devrait y avoir glacial dans le coin. Et que ce trou a été fait pour empêcher les intrus de rentrer dans cette zone normalement. Moi, je vais me déplacer du coup jusqu'ici à peu près. Non, ça fait 7 mètres. Oula. Et la direction du bruit que vous avez entendu venait de par là. D'accord. Sartorion, toi. Devant toi, Wilbur, t'as un cadavre qui est quand même. Il est mort depuis quand même un petit bout de temps. Tu vois qu'il manque des morceaux de chair, il lui manque même un morceau de bras. Il lui manque carrément l'avant-bras, totalement. Et que le sang, il est quand même séché depuis quelques temps déjà. D'accord. Déjà, je vais demander à Glacial, ça va, petit gars? J'ai connu mieux. J'ai fait une chute de 8 mètres quand même. Ça fait un peu mal. Bah oui, pourquoi t'as pas pris les escaliers comme tout le monde? Ah, si j'avais choisi. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti avec la bouche d'égout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi aussi, j'ai regardé l'eau, j'ai fait ah, c'est haut. C'est haut. Est-ce que du coup, moi, je vois la plaque, du coup, la plaque écrite? Oui. Ignorant, tu te trouves en territoires ennemis. Quiconque veut sortir du labyrinthe de Karak sera méritant. Le pleutre et l'idiot seront condamnés. Ça donne la couleur. Ça voudrait dire que Glacial est pleutre et idiot? C'est une possibilité. Je pense qu'il faut l'explorer, quoi, mais sauf qu'on va essayer de prendre une démarche méthodologique pour pas se perdre comme des idiots, quoi. Oui, à mon avis, ça va être bourré de pièges. Ça va bien commencer déjà. Scout veut sortir du labyrinthe. Donc, nous sommes en labyrinthe. Oui. Oui, merci. C'est une bonne conclusion. Après, comme ça, on voit pas de mur pour un labyrinthe quand même. C'est peut-être juste la salle principale, peut-être qu'il y a plein de petits couloirs autour. Sais pas, mon... Après, le pleutre et le. C'est comment déjà? L'idiot, l'idiot. Le pleutre et le pleutre, ça veut dire que ceux qui vont peut-être faire du marche à reculons, qui vont pas vouloir se mettre dans des certaines conditions, je sais pas. Bref. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a un qui est mort À dès l'entrée. À l'entrée. l'entrée. Il y a peut-être un piège, mais il est tombé comme un idiot dessus. D'ailleurs, très bonne remarque, au début, il y a quelques gouttes, et plus on avance, et plus il a saigné. Et essayez de fuir dans cette direction. Vous comprenez. J'ai pas vu personne. Ok. Je vais me mettre devant déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a On lance pas le nain et on détecte les d'influence. pièges avec? C'est ça. Non, dans cette pièce-là, c'est en voie de, on voit, c'est éclairé ou pas du tout? Oui, ici. Il y a des braséos devant, je sais pas si tu les Ici, il y vois. a deux Ah, braséros qui éclairent la zone. Donc. je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Ce qu'on Le voit en labyrinthe. face, c'est ce qu'on voit en face, c'est en dessous du pont. Et certainement que la personne est tombée du pont et essaie de ramper après. Non? On devrait avoir plein de monstres alors, la vache. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Bon, après, je vois qu'il y a plein de squelettes, mais c'est vrai qu'il Pense pas devrait que y ce soit avoir sous le pont. d'autres. Bon, on Moi, avance, de toute façon. ce qui m'interpelle, c'est que c'est un labyrinthe. Et dans un labyrinthe, on a des murs normalement pour s'y retrouver, hein. Là, on arrive juste sur une énorme pièce. C'est pas les dalles, le labyrinthe? Bah, pour moi, c'est ce que j'aimerais suggérer en tout cas. Oh non, il va falloir faire gaffe à chaque dalle. À moins qu'il y ait un motif peut-être de dalle. Oh, il y a les bêtes qui arrivent derrière en plus.
plaisantant, je m'attendais. Si. Si. On peut faire une perception. Faites. Moi, je peux bien le crâne pour la pièce. Qui est mort par terre, et puis je le fais rouler un petit peu sur les dalles devant. D'accord, donc tu prends le cadavre et tu le jettes. Fais-moi un jet de force, toi, par contre, pour savoir jusqu'à quelle distance tu l'envoies. Ah, j'essaye d'attraper le cadavre. Pas bien loin. Ah oui. Bon, voilà, tu l'envoies là, à peu près. Rien se passe. Aucune chose particulière se passe. Moi, on avance jusqu'à là, du coup, je pense. Et tu vois, imagine si c'est ce carreau-là qui est piégé. On va se calmer, j'ai déjà peur de prendre un truc. C'est pas moi, le pleutre est idiot. Et du coup, que je vois. Le pénitent le passe. Alors, en arrivant là où tu es, Xatorion, le bruit des ronflements va s'arrêter. Parce que derrière où sont justement tes trois collègues, il commence à y avoir le plafond qui tombe sur vous. Donc il va falloir se pousser rapidement, sinon vous allez finir écrasé. Ah oui, donc je vous ai un peu forcé la main. Et maintenant, vous pouvez accéder à l'ancienne zone. Venez zone peut-être plutôt bouchée. sur ma dalle à moi, parce qu'on ne sait pas si les autres dalles elles sont... Je t'ai fait un de perception pour voir ce qui se passe. Alors, il va se passer une chose. Donc ici, vous voyez en hauteur, il y a une plateforme. Elle est au moins à 10-15 mètres de hauteur. D'accord. Et vous entendez qu'il y a comme quelqu'un qui est en train de marcher. On le voit pas. Vous le voyez pas encore, mais vous entendez le bruit. Ici, vous voyez qu'il y a quelques caisses un peu détruites, une sorte de vase de loin avec, vous avez l'air de penser, peut-être quelques pièces. Des coffres sur toute la longueur derrière a l'air d'avoir été ouvert. Donc vous comprenez que c'est peut-être justement la pièce de stockage des objets précieux de la ville. Il est trop tard, aventurier. Vous ne pouvez plus les sauver. De toute façon, il vous sera impossible de sortir d'ici vivant. Ah oui. Oh, la sale bête. Ok. T'as de l'eau bénite encore Il me reste une fiole d'eau bénite. Sous vos yeux, une masse immense... Tout en ossements fait son apparition dans le cercle d'invocation. Il s'agit du gardien des lieux. La personne qui vient de vous parler disparaît, vous laissant face à la mort. Juste après qu'il disparaît, la plateforme où il était s'est écroulée. Je vous laisse un point strat, parce que là il est en train d'apparaître. Devant vous, vous avez 3 minutes. Ah, bon. Bon, bah, direct, je fonce dessus, je pense. Alors, déjà, il est méchant. Oui. Eh ben, ouais. Moi, bon, bah, je vais rester un peu derrière. Je vais pas trop m'avancer. Je vais vous suivre, mais je vais pas passer devant non plus. Bon, tu vas peut-être pas pouvoir charger si loin. Je suis pas convaincu. Il va peut-être falloir 2 tours ou 3 peut-être pour l'atteindre. Moi c'est. Je peux le charger de justesse quoi, vraiment. On voit s'il peut se déplacer ou pas. Peut-être qu'il peut pas se déplacer. Bon, je pense que oui, mais bon. Après il est en train de s'invoquer. Petite question, ce qu'il y a ici et là, c'est des piliers. Oui, mais très gros. Ouais. Oh, arrête avec ton plan de vouloir tout faire. Non. Il veut tout faire. Mais non, pas des... Question. La créature, elle semble agressive, forcément, ou... Atteint d'un squelette. Pour moi, c'est hérétique. Pour moi, c'est hérétique ou touché, hein. Je peux comprendre que oui, elle risque d'être agressive, quand même. Tu crois? Ouais.
Je vais bien le bénir. On fait un exorcisme. Réfléchissez deux secondes à l'énigme. Seul le pleutre est l'idiot. Donc le pleutre, c'est si on fait marche arrière et l'idiot, c'est de baisser. Il y avoir un truc à faire avec lui. Est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans ma bourse tout à l'heure? Pleutre et l'idiot sera condamné. Potion de vie mineure. On arrive bientôt sur la fin du point strat. Si vous avez quelque chose à proposer, c'est maintenant. Bon, déjà, je fais une charge prévent. Bah, je fais un dé. Je m'avance jusqu'à 4 mètres. Là, ici. Je commence à charger ma frappe du croisé. Ouais, normalement, j'ai pas assez la distance pour faire jusqu'à lui. Donc, vers la moitié du chemin, quoi. 4, ouais, voilà, c'est ici. Quoi. Et je prépare ma frappe du croisé. Je gueule hérétique. Et puis, on verra le tour d'après. D'accord, donc en fait, tu prépares ton coup préventif. Donc, dès qu'il sera à portée, tu pourras le taper avec. D'accord. C'est ça. Ensuite, bah, s'il s'approche de moi. Mais oui, s'il s'approche de toi, bien sûr. Donc, mets-toi sur place. En attendant, ensuite, toi, Ville. Wilbur, tu feras quoi? Je vais. Diriger ici en course. Tu veux te cacher derrière le poteau en fait? Ouais, angle mort. D'accord. Je te laisse te déplacer dessus, t'as assez de distance. Ensuite, on va dire Brand. Moi je vais me décaler sur la gauche de la salle, enfin, ici. Et ensuite, voilà. Et ensuite. Du coup, moi je me déplace là-bas, hein, là où j'ai mis mon truc. Oui, j'avais compris. Voilà. Ok. Au final, je regrette de ne pas vous avoir donné la fiole d'eau bénite à vous. Parce que si je vais être au corps à corps, je vais peut-être pas avoir le temps de la lancer sur l'ennemi, quoi. Alors. Mais bon, c'est trop tard. Le monstre a fini de grandir et de s'assembler avec tous les ossements qui étaient au sol. Il se lève. Et la première chose qu'il voit, c'est en face de lui pour le moment, vu qu'il n'a pas subi d'agression. Donc la première personne qu'il voit, ça va être toi. Donc il va avancer quelques pas. Il s'arrête là. Il est très lent. D'accord, très lent. Par contre, il va essayer de te fracasser. Il est lent. Direct. Il est lent, mais il est très grand. Donc il a une portée plus grande. Donc il va essayer de te donner un coup. Oh. Tu prends un coup dans la gueule et tu perds un point d'armure.